C'est un rêve que nous avons caressé depuis longtemps. Après plus que 11 ans dans l'Amérique à fou, moi réalisé avec l'équipe moi, Go Elsa. Moi songe et m'a remercié président Jovenel. Moi songe après élève collège groupe là, je te remets moi un livre là. Moi t'as une réunion en palais. Je dis président, moi je bail l'argent, je me suis fait une biothèque municipale Carrefour. Il y a deux bagages besoin de faire. Besoin on arrêté présidentiel qui déclarait ce passage d'utilité publique pour nous. Ici, tu as un cas qui était construit. Le président dit, je dois avec le cabinet pour sa fête. Il y a un petit retard. Mais lorsque l'arrêté a vu sorti, je descends contre le ministre Rinaldo Brunet, ancien ministre intérieur, ancien magistrat Carrefour. Je dis, ministre, président Souti a arrêté à espace là pour nous. Je gagne seulement 9 millions de gouttes pour me faire projet à dans un point communal que je me contacte dans le fonds de pension ministre des Finances. Je besoin de support. Rinaldo Brunet, ancien magistrat Carrefour. Dijut avec Gérard Mathieu Junior, que je remercie, de signer le protocole ça pour me joindre premier parti financement pour me faire projet. Ministre Rinaldo, Net Carrefour, ancien magistrat Carrefour, ancien ministre, je voulais dire toute gratitude moi parce qu'on a aidé à réaliser le projet ça pour la communauté. Et après 96% de l'argent qui dépense là, c'est l'argent taxe Moun Carrefour. Que DGI collecte pour nous. Moi, je dis mon Carrefour merci parce que nous avons décidé de payer. Nous n'avons pas de moment où nous connaissons ici, là, parce que je n'ai pas fait discours pour me parler français, je fait discours pour me raconter l'histoire ici, là seulement. Moi, je suis venu là avec le juge Moïse qui m'a remercié. Tu es en tête, tu es en caille là. Je suis dit, moi, ça, je vais mettre à démolir sur lui. Je suis dit, moi, ça. Si vous crasez, ma bon moi, ma touyo. Il dit, oh, elle parle aux nègres avec en façon autorité. Après 3-4 mois, moi, nègre a prené sous projet, nous sommes bonne parole. Moi, le juge Moïse, merci en pile. Juge Moïse dit, juge, magistrat, pas de bagaille comme ça. Nous souvelons, nous allons craser. Nous venons là, juge Moïse avec la police, monter sous le bac de mairie, nous dit, craser ça. Nous craser. Arrêté fin sorti, nous crasel. L'ingénieur Wilney décidé 28 janvier, nous lancer projet ça. Nous commençons à faire fouille 9 février. Bandi, l'aime fin clôturé là. Je dis c'est quand même mal fait. Nous venons là, nous cartouche, nous craser clôture, nous mettons du feu dans la clôture là. Et nous dit, dans le micro-radio Caraïbe, moi, je demande à maman, papa, si ici, là, moi, je dois quitter pomme, je m'a demandé pour incinérer, pour prendre soin de moi, pour cimer ici, là, et encourager jeunesse Carrefour, la politique, magistrat qui a remplacé le nom, pour lui faire projet pour lui, ça. Je dis à bon Dieu, il y a une possibilité pour nous inaugurer. Moi, songe au moment ça. Le projet ça a commencé le 28 janvier. 2020, 31 juillet 2020, nous avons fini de construire le bâtiment. Mais nous n'avons pas gagné 1 centime pour nous acheter même une chaise pour grossir le bâtiment. Ça. Nous faisons 3 mois à ramper, octobre, novembre, décembre. Moi, sacrifier ça, les employés dans la mairie. Employés dans la mairie, je veux dire merci. Parce que même si nous avons plein, mais nous avons pour ça. 11 mois, nous pas touché. Chaque 200 000 gouttes qui entre dans la mairie, mettez bien, achetez ciment. Ingénieur Verlin, nous n'avons pas de corps à crédit. Aux amis qui dit hier, magistrat Jude, après 5 ans, il faut rendre compte sur ce projet ici. Là. Parce que la mairie Carrefour n'a étalé pas aucune capacité pour réaliser un projet comme ça en 7 mois, 8 mois. Je dis nous ça que dans l'histoire de stérilisation dans le pays, les deux plus grands projets municipaux sont réalisés en régie.
m'attendre le verdict de l'histoire. M'a préparé pour mal répondre à toutes questions que vous posez. C'est palais municipal de Delma et le centre culturel municipal de Carrefour. Deux plus gros projets municipaux qui ont conseil municipal réalisé. De tous les deux faits en régie. Ça doit interpeller l'organisation de l'État, administration de l'État. Non, créer l'entête. Non, pas vouloir, le magistrat aussi a dit, pour faire projet. 700 millions de gouttes débaillent à 140 mairies, à raison de 5 millions de gouttes par mairie. Le 6 juin, nous allons lancer vidéo, documentaire ça. Pour une quantité de projets magistrats faits dans le pays, avec 5 millions de gouttes. Mais, il n'y a pas de l'argent. Dans l'administration, dans le budget de l'État, il n'y a pas de corps pour la collectivité. Je ne vais jamais suspendre ça. Aussi longtemps que je vive, je vais consacrer la vie à la décentralisation. Parce que la vie, l'avenir d'Haïti, si c'est la jeunesse, mais l'avenir d'Haïti, tout, c'est la décentralisation. Il est temps pour nous déconstruire le mythe métropolitain pour le Port-au-Prince. Il est temps pour les magistrats qui ont l'élection de responsabilité dans le budget de l'État pour les jeunes comptes pour faire projet. Mon microchu n'a pas fait 15 000 gouttes par mois, par an de recettes. Mais les gens qui ont l'élection dans la commune de mon microchu, il y a 40-50 000 personnes sous compte pour le bail service. Mais c'est le ministre qui n'a pas aucune relevance devant la population. Le Parlement vote le budget. Elle répartit le budget par le ministère seulement, par un goutte qu'elle joigne la collectivité. Voix matin encore une fois, il prêtait à l'UTSA que nous-mêmes dans FENAM, nous-mêmes tous magistrats, nous avons mené, nous renouveler pour nous dire gouvernement Cap Vinio, président Cap Vinio, citoyens intellectuels qui ont réfléchi dans le pays, pour faire un front commun, pour nous faire en sorte que le budget de l'État. Il y a une justice là-dedans, une justice territoriale pour magistrats, kazek, administrateurs, jeunes l'argent pour faire projet, pour changer la vie collectivité, la vie citoyenne.